Alors, 30 ans de carrière, c'est une vie quand même, quoi. Du coup, quand j'ai appris qu'il va les fêter, c'est mon jeune frère, j'ai dit, je ne peux pas ne pas être là. Du coup, ben, je suis venu et on a eu un public très accueillant. Et également, là, le concert, hein, le spectacle de Don't Me Talk, déjà pour ce qu'on a vu jusque-là, c'est vraiment époustouflant comme, comme spectacle. Voilà, nous, en tant que Sphinx, on se doit de venir le soutenir et c'est ce qu'on a fait. Et il y a eu également le doyen Sagoran qui était là. Donc voilà, quoi, c'est normal qu'on le fasse parce qu'on a l'intention de fêter les 60 ans également. Donc il fallait commencer par les 30 et ainsi de suite. Pour les 30 ans de Don't Me Talk, d'abord, c'est un jeune que j'affectionne beaucoup. De pas ça, comment on appelle, son humilité, hein, parce que c'est quelqu'un qui est humble, il respecte les gens. Et quand tu respectes, excusez-moi, de tes supérieurs, je crois que beaucoup de portes seront ouvertes. Parce que nous, on a voulu faire l'entracte pour lui, parce que on ne l'a pas vu dans le collège. Nous, on était dans le collège dans les années 70. Mais aujourd'hui, pour faire une entracte pour notre petit frère, c'est qu'il est méritant, il le mérite. On s'est déplacé pour pouvoir le faire. Donc, je vais exhorter aussi les autres musiciens, artistes, de pouvoir lui emboîter le pas. Parce que, comme on le dit, c'est l'enfant qui sait bien laver les mains, les doigts, qui peut manger avec les grands. Don Me Talk, Ignace, je l'aime beaucoup. Moi, je suis partie quand lui est venu. Et je suis un peu plus... il est mon jeune. Donc moi, j'étais partie de Bégamé quand il est venu dans la musique à Bégamé. Mais vraiment, il a fait des merveilles. Ben, avec Nassi, on est venu le soutenir. Comme vous le savez, on a travaillé ensemble sur le trône de Béhanzin. Donc c'était à notre tour de lui apporter notre soutien total. Et c'est un grand artiste, c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui est apprécié du public, il l'a prouvé une fois de plus aujourd'hui. Et on a eu des frissons, il y a eu de l'émotion, et on ne peut que lui souhaiter encore 60 ans de carrière même.